Bonjour à tous, bienvenue dans le tiers-lieu le 97 à Besançon pour un week-end colloque sur la thématique de la naissance du sujet. Le fil conducteur de nos échanges, ça va être la naissance du sujet sur les 4 demi-journées. Juste quelques points de précision technique. La première, c'est que notre présentation de l'inconscient, elle va se faire à partir de nos rêves, de l'analyse de nos rêves, de notre pratique du quotidien, de la vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'une psychanalyse pour les nuls ou d'une vulgarisation de la psychanalyse, c'est juste un choix en fait de notre part pour transmettre la question de la psychanalyse. Voilà. À l'issue de ce week-end, vous sera proposé, si vous le voulez bien, de participer en conscience à ce week-end, participation financière, pour pouvoir permettre une reconduction de ce type d'événement et puis aussi soutenir la démarche plus largement. Cette question de la contribution en conscience, elle vient questionner pas mal le sujet sur qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que j'en ai retiré de ce temps-là, et du coup, par rapport à mes moyens, moi, qu'est-ce que je suis prêt à donner pour contribuer à ce truc? Alors d'abord un grand merci à Christine pour l'organisation de ce colloque et un grand merci également aux techniciens Nicolas Jeudy et Aurélien son fils qui se sont décarcassés pour que ça soit techniquement possible que vous puissiez participer de très loin ou de tout près. Autrement, j'ai commencé par réfléchir un peu sur un plan méthodologique, le pourquoi on fait ça comme ça et pourquoi on est deux alors qu'il était prévu qu'on soit quatre. Je vais commencer par le deuxième point. Pas seulement une explication factuelle, mais un essai de réflexion sur ce qui se passe, c'est-à-dire un essai de psychanalyse de ce qui se passe. Alors, Gino D'Aranjo, c'est un correspondant, un ami à moi, qui habite à Quito, Équateur. C'est un peu loin. Donc, je l'ai invité et dans un premier temps, il a accepté avec enthousiasme. Et puis, compte tenu des crises sanitaires, des quarantaines, des prix d'avions qui sont montés en flèche, il a décidé de rester à Quito. Ma foi, j'espère qu'il est là quelque part. Sauf que pour lui, il doit être 4 heures du matin, quelque chose comme ça, et donc je pense pas. Petit problème quand on habite de l'autre côté de l'Atlantique. Pour ce qui est de Félise, le Bihan, eh bien, c'est moi aussi qui l'ai invitée parce que j'adore la façon dont elle parle de psychanalyse. Nous avons eu beaucoup d'échanges où on se trouvait d'accord sur tout et où on s'apportait mutuellement, je trouve. Est arrivée deux questions. L'une sur le fait qu'on allait parler du château ambulant, le film de Miyazaki. Bon, chose qui lui hérissait le poil, elle ne voulait pas qu'on parle de cinéma. Ensuite est venue la question de la crise sanitaire et des précautions qu'on allait prendre. Moi, à l'époque, je savais encore pas que vous seriez que trois en présentiel. Bon, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas, parce qu'il peut y avoir des inscrits jusqu'au dernier moment. Et si on avait été 25, vu la salle, n'est-ce pas? Moi, j'ai dit, je souhaite que nous ayons des tests antigéniques Covid-19, il y en a là, du gel hydroalcoolique, et voilà. Félix, ça lui a aussi hérissé le poil, parce que elle nous a dit... Imaginons que le samedi matin à 9 h, je me teste et puis que je sois positive, alors j'aurais fait 6 heures de route pour rien et je serais obligé de passer mon week-end devant un écran. Là, c'est moi que ça a hérissé le poil parce que je lui ai répliqué, mais tu penses au problème que ça te pose, et je comprends que ça te pose un problème, c'est pas confortable, c'est vrai, mais t'as pas pensé une seconde que si t'es positive et que tu le sais pas, tu peux le refiler à toute une salle, et dont à moi, 71 ans, plus un cancer, donc fragile. Donc ça lui a hérissé le poil en retour. Elle a dit à ce moment-là que si elle avait 71 ans et un cancer, elle viendrait sûrement pas à un colloque. Elle me conseillait donc de rester chez moi pour le week-end ou d'aller faire une cure de jeûne en Russie. Ça ne m'a pas plu. Et comme je fais partie des organisateurs du colloque, il est hors de question que je reste chez moi, surtout pas sur injonction. Donc c'est elle qui ne vient pas. Voilà. Ça, c'est les faits. Analyse. Analyse, c'est un gros problème parce que c'est pas seulement elle et nous. C'est le problème de comment les humains vivent ensemble. On peut rajouter du coup ce qui s'est passé entre nous aussi dans les échanges avec les tests justement. Comme Vas-y. ça, Ben vas-y. on pourra analyser, vu qu'on est là tous les deux, ce qui s'est passé pour le coup entre nous, mais dans la structure qui me semble assez, en tout cas intéressante à analyser.
Richard, quand il a demandé à ce qu'il y ait les autotests, j'ai senti un truc dans le monde en mode ah, j'ai autre chose à faire que d'aller acheter les autotests. Ça me semble compliqué pour moi et je ne savais pas trop comment lui dire. J'avais le sentiment aussi qu'il essayait de me convaincre sur comment voir la crise sanitaire et ce n'était pas agréable pour moi. Donc je lui ai répondu, bah écoute, moi j'ai pas l'énergie, est-ce que toi tu peux t'en occuper? Parce que foncièrement ça m'empêche pas de dormir qu'il soit là, c'est juste que il y avait cette idée que je sentais comme une possibilité d'influence sur moi par rapport à comment moi je me positionne par rapport à la COVID et le fait que j'avais clairement pas le temps. Richard a dit ok, je m'en occupe, et puis quelques échanges plus tard, il dit, enfin, je voulais le garder pour moi parce que je voulais pas blesser, mais quand tu m'as dit ça, ça m'a fait bizarre quand même. Genre, t'as pas conscience de... Enfin, comme si tu t'en foutais quelque part de ce qui pourrait m'arriver ou aux autres. Et ça ne m'a pas mis à l'aise. Donc là, je vais réexpliquer ce que je viens de vous expliquer. La question de l'influence, mais aussi la question pratico-pratique que j'avais pas le temps ni forcément l'argent non plus pour acheter les tests. Et quand je t'ai dit ça, toi, tu m'as dit « Ah, ah bah oui, bah si tu me l'avais dit plus tôt, j'aurais pas compris pareil, mais... » En tout cas, moi, ça m'a permis de voir quand même ce point de crainte de me faire influencer sur quelque chose que j'ai envie, moi, de penser en tant que je et pas avec un autre qui vienne m'influencer là-dessus. J'ai dit. Ouais, et tu as prononcé le mot fondamental, influence, qui va être aussi un fil conducteur du week-end, à savoir qu'est-ce qui nous pousse à faire les choses. Qu'est-ce qui nous pousse à désirer les choses? Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Qu'est-ce qui nous pousse à penser? Qu'est-ce qui nous pousse à dire telle chose plutôt que telle autre? De quelle façon acceptons-nous de nous faire influencer par les autres ou pas? Et c'est fondamental, donc c'est fondamental qu'on en discute entre nous. C'est la moindre des choses, ça fait partie de la matière sur laquelle on travaille, et en psychanalyse, quand quelqu'un va en psychanalyse, c'est pour se demander qui suis-je, dans quelle mesure je suis, je dis ce que je dis, ou c'est pas mes parents qui s'expriment à travers ma bouche, ou c'est pas un maître quelconque, un professeur quelconque, un influenceur quelconque qui a voix au chapitre dans la société. Voilà. Suis-je moi-même? C'est toute la question que pose quelqu'un qui vient en psychanalyse. Et qui suis-je d'une manière plus détaillée? Donc, tu as bien fait de compléter, effectivement. Et comme ça, ça nous permet aussi de parler entre sujets présents et pas de parler d'un sujet absent. Aussi, après, on peut parler de ce que ça nous fait, nous, bien sûr. Voilà. Ça reste, voilà. Mais c'est autre chose que de parler d'un sujet absent, parce que j'ai trop connu, je crois, dans les services, et ça ne me convenait pas. Voilà, je suis aussi archi contre de parler des sujets absents. Quand j'ai parlé de Félix tout à l'heure, j'ai parlé de ce que ça me faisait à moi. Ses raisons à elle, ses sentiments à elle, ses pensées à elle. Non, je pense mes pensées. Et je suis bien obligé de dire deux, trois trucs pour dire que ce que ça m'a fait à moi, ce qu'elle a dit. Voilà. C'est toute la question, oui, des influences et de comment on se fait tous des visions du monde qui ne sont pas forcément la même que celle du voisin. Notamment avec cette histoire de la Covid qui est un sujet clivant. Il y a ceux qui pensent qu'il faut mettre des masques, faire des autotests, faire attention aux gestes barrières et tout ça. Et à l'autre extrémité du spectre, il y a ceux, j'en connais, qui disent la Covid n'existe pas, c'est juste un mensonge organisé par le pouvoir et les capitalistes pour renier les libertés des citoyens. Et donc qui refusent de porter le masque, qui refusent les gestes barrières, qui refusent de... ça existe. Alors, je ne vais pas dire que je suis un petit ange et que ceux qui n'ont pas ma vision du monde, je vais trouver que c'est formidable, nos différences. Surtout en ce qui concerne la Covid, parce que c'est quand même une question de vie ou de mort. Pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, je le ressens comme ça. Parce que c'est vrai que je me sens un peu fragile. Quand c'est une question de vie ou de mort, comment est-ce qu'on peut accueillir avec le sourire et la tolérance requise des visions du monde qui, pour moi en tout cas, sont dangereuses. Non seulement pour les gens eux-mêmes qui énoncent cette vision du monde, mais pour les gens autour d'eux. J'ai pas l'intention de résoudre le problème à l'instant, hein. C'est pas le résoudre qui m'intéresse. Parce que je sais bien que ce soit à propos de la Covid ou à propos de n'importe quel problème politique ou sociologique,
Ça va être des batailles de chiffonniers entre telle vision du monde et telle autre vision du monde, avec des arguments tels que vous vous illusionnez, et puis en face, non, c'est vous qui êtes dans l'illusion, moi j'ai la vision de la vraie réalité, et vous, vous êtes dans l'imaginaire, vous ne comprenez rien. Ah, je dirais pas comment trouver des solutions, parce que là, je pense pas que... je suis pas optimiste. Parce que ça peut aller jusqu'à... Ça peut aller de la prise de bec dans une assemblée, ou entre amis, jusqu'à une guerre civile, voire une guerre totale. Quand on n'est pas d'accord, par exemple, entre sunnites et chiites au Yémen, voilà, ça donne des milliers de morts. Mais entre nous, ici et maintenant, on ne va pas jusqu'à s'entretuer, mais ça peut être pas loin, je pense à un certain rêve. D'où l'intérêt de s'intéresser aux rêves, parce qu'en rêve, justement, on peut se permettre de tuer pas mal de monde, voire de tuer, de baiser et de violer avec pas mal de gens, mais ça fait de mal à personne. Donc on a intérêt à s'autoriser à rêver. C'est un des effets de la psychanalyse, parce qu'on a enfin quelqu'un qui écoute vos rêves. Oui. Moi, du coup, ce que tu dis, ça me fait penser à une chose, c'est que à l'exclusion. Parce que quelque part, là, ce qui s'est passé pour nous quatre, je reprends cet exemple-là, parce que c'est ce que j'ai sous la main et ce qui me permet de l'analyser, je le vis comme, en tout cas, une exclusion, soit moi mise dehors, soit à la rêve. En tout cas, on était quatre, on se retrouve à deux. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je rêve souvent d'exclusion, comme ça, où il y a trois êtres, et puis moi, je me fais exclure d'un banc de trois, par exemple. Et cette exclusion, moi, j'en ai aussi le souvenir petite, quand mes parents me disaient « Allez, Christine, c'est l'heure d'aller te coucher. » J'allais au lit, ma chambre n'était pas très loin de la pièce de lit. Donc, je les entendais encore vivre, faire la vaisselle, aller regarder la télé. Et moi, je me retrouvais toute seule pendant eux deux, étaient en train de faire la vaisselle. Et j'ai le souvenir, d'ailleurs, on va dire de 4 à 10 ans à peu près, de grosses peurs dans le lit le soir toute seule, parce qu'en plus, il y avait une fenêtre, j'avais pas de volet, puis il y avait un arbre devant et il bougeait avec la lumière de dehors, donc ça faisait des espèces de grands doigts comme ça. Et dans ma chambre, il y avait une porte, une fenêtre, une porte. Pas mal d'ouvertures dans ma chambre quand même. Et j'étais dans mon lit, j'avais un couvre-lit blanc et je le bordais extrêmement bien parce que j'avais le sentiment, l'impression, l'idée, l'imaginaire, je mets plein de mots, un seul papa. J'avais cette peur qu'une sorcière vienne me couper tout ce qui dépasse de mon lit. Donc du coup, il ne fallait absolument pas, quand je dorme, que je me retrouve avec un bras qui pend, parce que sinon, la sorcière allait me couper. Ça correspond. Hein, le truc où je me sens toute seule, exclue du couple de mes parents, vous voyez, j'imagine à peu près où j'arrive aussi, quelque part, c'est une traduction à petit amour que j'ai pour eux deux, et comment j'aurais bien voulu être à la place soit de mon père, soit de ma mère, d'une manière alternative, parce que dans mes rêves, je retrouve ça aussi, que je désire sexuellement tant mon père que ma mère, avec du coup des formes complètement différentes dans les rêves. Et c'était une expression de ça. Et pourquoi la sorcière? Tout simplement parce que la sanction de... Et alors petite, je ne me dis pas comme ça, évidemment, hein, c'est la psychanalyse, l'analyse, le fait d'être venue dans mes rêves, où j'ai vu le fait que, parce que je désirais quelque chose, j'avais une sanction derrière, qui arrivait quasiment immédiatement, soit de la coupure, soit des trucs comme ça. Et c'est tout à fait en l'air à l'époque, pour ça je me refoule, enfin, je n'en ai pas conscience. C'est beaucoup trop horrible et dégueulasse d'imaginer que je suis désirée sexuellement un de mes deux parents, parce que ça ne se fait clairement pas. Et puis aussi parce que cette idée que petite, j'ai vu quand même une sacrée différence dans l'humanité, il y en a un qui a un truc en plus et l'autre qui n'a pas ce truc en plus. Je sais pertinemment encore aujourd'hui que je suis complètement parfaite et complète. La question n'est pas de l'ordre de la réalité de Vidbel, mais bien d'un imaginaire de moi, petite fille. Et il se trouve que la seule différence, c'est ce truc en plus, c'est le zizi ou pas le zizi. Mais l'importance, en tout cas pour moi, elle n'est pas tant sur le fait que ça soit le zizi en tant que tel, c'est la présence et l'absence d'un truc en plus. Et du coup, je continue mes associations. Ça me fait penser à ma fille qui a 4 ans et demi, un peu plus, et les moyens, plutôt petite, qui me dit « Maman, pourquoi tu m'as fait fille? Moi, je voudrais être garçon. » Quand je la regarde et qu'elle me dit ça, en fait, je fais des hypothèses, parce que je ne suis pas dans sa tête, mais c'est bien de moi
dont je parle quand je fais des hypothèses sur elle. Et c'est moi petite, je pense que je me suis dit ça. Maman, quoi, pourquoi tu m'as fait fille, j'allais dire garçon. Pourquoi tu m'as fait fille? Parce que j'aurais bien aimé l'inverse. Et pour aller un peu plus loin, toujours ma fille, quand je la regarde, on joue. Et l'autre jour, alors déjà, j'avais observé que quand on joue et qu'elle perd, c'est dramatique. Mais genre, elle me fait penser, l'image qui me venait, c'est qu'on lui arrache un bras. Il y a un truc de douloureux. Mais c'est mon image, hein, c'est pas elle qui me dit, c'est moi. Donc pareil, je reviens à moi, petite, en me disant, bah, punaise, moi, ça ne devait pas être simple non plus. Pour que j'aie l'idée, là, que c'est compliqué. Puis c'est là où j'ai tilté le perdre à un jeu et perdre ce zizi que j'imagine avoir eu. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que j'imagine avoir eu un zizi. J'ai des rêves où je m'affuble d'un zizi. Mais un dernièrement, d'ailleurs, où grande, j'ai très beau sein et un zizi en même temps. J'ai les deux choses. Hein. Donc je me le reconstruis parce que je l'aimerais bien. Mais je pense aussi que j'ai des rêves où, petite, vu que j'imagine avoir été castrée, ça veut bien dire qu'avant je l'avais. On était à la route, puis les garçons commencent à jouer au quarto. Regarde avec envie, comme ça. Bien, bien joué. J'ose pas. Non, non, je peux pas. J'ai peur de perdre. Je pouvais pas. Et là, je me suis dit, ouais, c'est. Moi aussi, je pense que j'avais peur de perdre. Et dans ma vie de tous les jours, quand je relis ma vie, il y a plein de fois où je ne suis pas allée faire, où je ne suis pas allée là où mon désir voulait m'emmener, parce que j'avais peur de perdre. En même temps, mon premier désir, imaginairement parlant, c'était pour mon père ou pour ma mère. Et le résultat, imaginaire toujours, ça a été ma castration. Donc j'ai perdu un truc. Voilà, il y a comme un espèce de truc comme ça, de la matrice. L'autre image qui me vient, c'est les poupées russes. Où ma mère, du coup, quelque part, j'étais dans son ventre, c'est elle qui a fait mon corps. Première image, enfin il y a quelque chose de ce tour-là. Moi, je suis moi-mère aussi, donc j'ai eu aussi dans mon ventre ma fille et je l'ai fait fille, on s'est fait fille comme ça, de génération. Et il y a quelque chose, en tout cas moi, de ma mère qui reste, c'est je lui en veux de m'avoir fait fille. Je sais en tant qu'adulte qu'elle n'y peut rien, ce que j'ai dit à ma fille quand elle m'a dit quand même t'exagères, t'aurais pu me faire garçon. Déjà, j'aime bien comme t'es, donc j'aurais pas voulu un garçon. Mais en plus, j'ai pas eu le choix. Il y a quelque chose de la biologie et je sais que ma maman est derrière, elle me regarde. Donc maman, je t'aime beaucoup, c'est pas la question. Mais en même temps, il y a ce côté, ouais, je te déteste aussi, maman, de m'avoir fait fille. Mais c'est très inconscient et ça, je le vois d'une manière régulière dans mes rêves. Si tu pouvais juste préciser un petit peu le rapport entre l'exclusion que tu sens du couple de tes parents, que tu peux nommer d'ailleurs, si tu as un nom à ta disposition pour ça, et le fait d'avoir peur de la sorcière qui va te couper un membre. Alors, le nom commun habituellement utilisé, c'est l'Oedipe. Voilà. Je vous demanderai de ne pas hésiter en tout cas à nous redire si les mots qu'on emploie, c'est trop alambiqué, parce que on s'est rendu compte tous les deux en préparant aussi ce colloque que parfois, c'est dans notre tête comme logique, et ce n'est pas forcément logique pour tout le monde, et j'ai envie d'être audible. Alors, l'exclusion du couple de mes parents, c'est que moi, j'ai des rêves où je suis dans le lit, soit avec mon papa, soit j'essaie de remonter dans le ventre de ma maman. Ce qui est à peu près équivalent, en tout cas là, par rapport à mon propos, c'est que quand je remonte dans le ventre de ma maman, oh, je peux peut-être vous raconter un rêve. Alors, c'est un rêve où je suis dans une piscine, une immense piscine, et je cherche la sortie. Donc je tourne, je croise plein de gens de mon passé, quand j'étais plus jeune, pas des gens de maintenant. Et j'essaie de trouver, mais je trouve pas, je me sens perdue. Et là j'arrive à un endroit où la piscine se resserre, comme ça. Et là quelqu'un m'indique que la sortie c'est par là. Sauf que quand j'essaye d'y aller, je sens que ça frotte au niveau des épaules, la tête, ça se resserre. J'ai un petit côté claustrophobe aussi qui ressort bien dans mes rêves, donc voilà. Puis, ah, en plus, la sortie est bouchée. Je ne peux pas sortir. Je suis obligée de remonter, de re-rentrer. Et là, depuis le début du rêve, en fait, je marche sur l'eau. C'est-à-dire que je ne suis pas dans l'eau, parce que si je vais dans l'eau, il se trouve que j'ai mes règles dans mon rêve, que j'ai une serviette hygiénique, et que si je vais dans l'eau, j'ai peur qu'elle se gorge d'eau et qu'elle devienne toute dure et toute raide. Donc, comme ça, je remonte dans un immeuble avec des escaliers en colimaçon, comme ça. Et quand je monte, je croise une fille qui descend. J'arrive en haut et là, je m'en veux beaucoup, beaucoup, parce que
J'ai l'idée que j'ai pas assez rangé, j'ai pas assez fait de ménage dans la pièce. J'enlève des chaussures, j'enlève mes chaussures d'ailleurs, je me change et je redescends. Et là, en redescendant, je recroise cette même fille. Je dis, mais du coup, je cherche la sortie, est-ce que tu pourrais m'aider? Et là, elle m'indique une sortie, et je vais pour la prendre. Elle me dit, tu vois, on aurait dû mettre un sens, on aurait dû mettre une flèche sur le sol pour se retrouver, pour pas être perdu. Et le rêve se finit comme ça. Pas très à l'aise au réveil d'ailleurs. Alors du coup, la piscine, c'est quoi? C'est le ventre de ma mère, tranquillement. Pourquoi je ne veux pas me planter et risquer d'avoir la serviette qui gorge d'eau? Simplement, ça me rappelle à Julie, c'est dur et voilà, et raide. Voilà. Et j'ai pas très envie, a priori, d'avoir ce Zizi-là, mais en même temps, quand même un peu, parce que je le mets en scène là avec le risque que ça pourrait arriver à nouveau. De toute façon, je vais retrouver mes chaussures en haut. Là, en l'occurrence, c'est un Zizi que je reprends. Quand je monte, je croise qui? Bah, je croise moi. Ouais. Est-ce que tu peux préciser le lien que tu vois entre chaussures et zizi? Bah, parce que c'est beau, c'est rouge, et puis que des fois, j'aime bien avoir des belles chaussures, puis aussi parce que je les enfile et puis que je mets un pied dedans. Il est l'un et l'autre, il est. Soit le sexe féminin avec mon pied qui rentre dedans, soit le truc en plus que je me remets parce que j'ai pas dit simplement des chaussures belles à mon goût et clinquantes. Donc je remonte, je reste souvent d'escalier en colimaçon et moi l'association qui me vient c'est le cordon ombilical. Il est un petit peu entortillé. Donc il y a cette idée de remonter les mamans et je m'en veux parce que je pense ne pas avoir suffisamment rangé. Et ranger, ça m'évoque quoi? Ça m'évoque mettre chaque chose à sa place et aussi nettoyer un truc un peu dégueulasse qui fait d'avoir envie de remonter dans ce ventre. Le zizi dans ce rêve, c'est aussi moi en tant que phallus de ma mère, en tant que zizi de ma mère. Et c'est en ça où je parle de relation sexuelle, c'est que moi tout entière en tant que moi, alors je suis sortie. Pour le coup, moi, dans la réalité de Ludveille, mais là, je me mets en scène à l'inverse, où je remonte. Et où je peux pas sortir, j'aimerais bien quand même, il y a ce truc de cette expulsion dehors. C'est là aussi où ça me fait penser à la naissance, à ma naissance physique, mais aussi à ma naissance en tant que sujet. Et je pars de ce rangement, enfin de cette pièce où je me dis, j'ai mal rangé, je me sens pas à l'aise. Et je suis contente de sortir, quelque part, de partir du truc, parce que c'est pas ma place. Et le lien, je le vois avec mes parents, c'est ce n'était pas ma place d'être avec eux, d'être à la place de ma mère dans le lit de mon père ou dans le ventre de ma mère. C'était pas ma place, pourtant je l'ai désiré. Et du coup, le lien que je vois, c'est les sorcières, c'est ma mère, celle qui m'a fait fille dans mon imaginaire. Donc c'est venu s'accoler à bah, celle qui m'a coupé le zizi, parce que quand même j'ai désiré mon père. Enfin, bien dit, mais voilà le lien que je fais. Voilà, tu peux rajouter un petit lien avec le château ambulant quand tu fais le ménage. Ah oui, vous avez regardé le château ambulant?